Bonjour Zoé, bonjour Maëlle. Pendant que le live commence, j'ai publié les résultats du quiz que vous aviez à faire là pour aujourd'hui, donc vous allez pouvoir aller voir vos réponses si vous voulez. Je vous ai mis des commentaires sur certaines erreurs et on va aborder tout ça en live en détail. Donc vous pouvez aller voir votre copie en recliquant sur le lien normalement et vous allez voir du coup les détails des réponses. Bonjour Hugo. Bonjour Anaïs, n'hésitez pas, ceux qui peuvent parler en tout cas, puisque tout le monde ne peut pas si vous n'avez pas suivi la chaîne depuis plus d'une heure, mais n'hésitez pas à dire un petit bonjour hein, pour signaler que vous êtes bien présent. Vous n'avez pas le live dans un coin quand vous faites autre chose. Bonjour Anaïs. Bonjour Alexia. Bonjour Mélina, pardon. Y en a d'autres qui seraient connectés et qui ne seraient pas manifestés. À Paris. Bonjour Raphaël, bonjour Alexis. Alors du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un petit peu dans le cours, on va regarder, rappeler ce que vous aviez vu, on va regarder les détails du questionnaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envoyé là à l'instant les réponses. Donc, ceux qui ont répondu au questionnaire, vous avez normalement des réponses et éventuellement des détails sur vos erreurs, pour les erreurs qui étaient les plus répandues, on va dire. On va regarder tout ça en détail, la correction. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire un petit point sur la partie 3 du cours et regarder l'activité 1 que vous avez à faire aujourd'hui et la feuille 1. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et sinon, je vous avais demandé donc un sondage pour savoir un petit peu qui préférait, à quelle heure les lives, etc. Et vous étiez nombreux à préférer les lives le matin. Donc, je sais bien que ça convient pas à tout le monde, mais le but c'est que ça convienne au plus de personnes. Et du coup, on reprendra les lives à partir de jeudi à 10h. Jeudi, on sera en live à 10h. Et l'autre question que je me posais, vous allez pouvoir y répondre du coup en live là. Est-ce que vous préférez faire cours mercredi, jeudi, demain, après-demain? Ou alors jeudi vendredi. Vous pouvez me dire mercredi jeudi ou jeudi vendredi, que je sache un petit peu comment on organise la semaine.
Alors jeudi, vendredi. Alors bonjour, sinon Joshua, bonjour Carla. Mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, jeudi, vendredi. Ah, pour le moment, c'est un ex aequo. Mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi. Bon. Et ben dans ce cas-là, on fait ça mercredi, jeudi. Faudra juste corriger. Là, je mettrai un message sur le chat Teams tout à l'heure pour préciser. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le prochain live, ce sera demain à 10h. Prochain live demain 10h et on fait justement la suite du cours, etc. Ça va décaler un petit peu le planning que vous aviez de noter. Voilà, je mettrai un message en plus. Bon, sinon, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer. Quelqu'un peut envoyer le lien du live à Anaïs qui est sur Teams et qui n'arrive pas à y accéder. Crois pas que j'ai le lien du live directement, moi. Ah super, merci Alexis. Alors du coup, l'écran. Donc du coup, donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait lundi. Donc quelques révisions, corriger le questionnaire et ensuite on passe à la journée d'aujourd'hui. On va voir la partie cours en live, l'activité 1 et l'exercice 1 de la feuille 1. Et à voir. Certains ont déjà commencé, hein, j'ai déjà. Donc, dans le cours, on avait revu deux choses. On avait revu la distributivité. C'est-à-dire que quand vous avez un nombre qui est devant une parenthèse avec un signe fois, ça donne du coup k fois a et k fois b. K fois a ou k fois b, etc. Et on prend un exemple ici. Vous allez avoir moins 2 fois x et moins 2 fois moins 3. Or, c'est la ligne qui est ici. X moins 2 fois. Et donc, ça vous donne moins 2x plus 6. Moins par moins, ça devient plus. Et là, pareil, 2y fois 12, ben, ça fait 24y. Et 2y fois 3y, ça fait 6y au carré, plus par moins. Ça, c'était le principe de la distributivité. Je vous encourage très, très fortement à retourner voir les trois vidéos. Si jamais vous avez besoin d'un rappel un peu plus approfondi. Vu les réponses des questionnaires, je pense qu'il y a besoin quand même. Et l'autre truc, c'était la factorisation. Donc, je vous avais proposé une méthode pour ça. Donc là, par exemple, on a 5 fois x, 5 fois y. Donc, on colorie, enfin, on met un coup de fluo sur le 5. On le met devant la parenthèse. Et dans la parenthèse, on met tout ce qui n'était pas en fluo, à savoir x moins y. Et puis, bah, des fois, il faut décomposer. C'est-à-dire que le 14 ici, bah, on se rend compte que c'est 2 fois 7. Donc, on a 2 fois x. 2 fois 7, donc on colorie 2, le moins 2 ici.
Et ensuite, on met le moins 2 devant la parenthèse, et dans la parenthèse, on met tout ce qu'on n'a pas colorié. Donc ici, x et 7. X plus 7. Et pareil, encore une fois, une vidéo hein, pour revoir tout ça en détail. Et du coup, vous aviez un questionnaire, donc le lien était directement dans le cours, hein, il fallait aller voir le cours et relire le cours après le live d'hier, puis de cliquer sur le lien. J'ai dû le remettre sur Teams parce qu'il y en avait plusieurs parmi vous sans doute qui ne l'avaient pas fait, donc j'ai remis le lien et j'ai réouvert. Maintenant il est de nouveau fermé, je ne pouvais plus y répondre, c'est trop tard. Ça ne sert à rien. Bienvenue Anaïs, je crois que tu as trouvé. Alors, du coup, on va regarder. Oui, le questionnaire. Et là. Donc la moyenne au questionnaire, donc il n'y a eu que 40 réponses hein, sur les deux classes. Avant que je vous renvoie le message, il n'y en avait que 20, donc pas de prix, mais 40, c'est pas encore tout le monde. Et on en tiendra compte quand on aura des évaluations à faire, mais... Donc, en tout cas... Donc 11,5 de moyenne sur 20, et on va regarder un petit peu en détail les réponses, on va expliquer pourquoi c'était bon ou pas bon. Donc on va aller examiner les réponses, et on va regarder question par question. Donc, si on regarde première question, donc 2a plus 3a, la même chose que 2x plus 3x, on additionne les x entre eux, on additionne ici les a entre eux. On a 2 à gauche, 3 à droite, ça fait un total de 5a. Mais il ne faut pas confondre avec 5a carré, comme ça a été proposé plusieurs fois. Hein, il y a eu 12 réponses qui ont proposé ça. On met des a carrés quand on a quelque part a fois a. Là, on n'avait pas a fois a, juste 2a et en plus encore 3a. Donc on additionne les a. Si jamais je vais trop vite, vous me posez des questions, hein, si jamais il y a besoin de reprendre des points particuliers. Sinon, je continue. Donc c'est une question plutôt réussie dans l'ensemble, heureusement. Ensuite, pareil ici, 4b moins b, ben on a une fois b, on enlève une fois b, donc on en a 4, on en enlève 1, il en reste plus que 3. Il reste 3b. Alors, il y a eu des erreurs de calcul, il y a eu beaucoup de fois 4, au cours. Là, j'ai pas précisé, j'aurais dû préciser que ce sont les 4x moins x. Avec 4x au départ, donc 4 fois la lettre x, et on en barre une. Bah, on a du coup plus que 3 fois la lettre x. Donc on a 3x. Là, c'est pareil, 4b moins une fois la lettre b, bah, ça ne fait plus que 3 c'est fois rien. La lettre b. Donc 3b. Donc j'ai corrigé les petits soucis aussi. L'espace là par exemple, la bonne réponse était 3b sans espace. Si vous mettiez un espace, ça comptait comme faux. J'ai corrigé ce genre d'erreur. Donc voilà, les erreurs à remarquer. Il y en avait d'autres, bah là il fallait pas factoriser, hein, c'était pas le but, il fallait réduire. Donc réduire c'est simplifier l'écriture. Bienvenue Esteban. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait à redire en plus des corrections? 3x, 4, ah oui. Donc ça ne pouvait pas se réduire dans le sens où on ne mélange pas les x et les nombres. Donc là, c'est bien de la catégorie des x, là c'est la catégorie des nombres. Alors, on ne peut pas les mélanger tous les deux. Donc ils restent séparés, 3x plus 4. Et il y en a pas mal qui ont proposé 7x. Hein, on voit 16 réponses ici, 7x. Ça ne fonctionne pas parce qu'il aurait fallu que ce soit 3x plus 4x, et là 3x plus 4x, ça aurait fait 7x. Ils sont dans la même catégorie, la catégorie des x. Et là c'était pas le cas. C'est 3x plus 4. Ah, question 4 qu'il y avait à voir alors. Ici. Donc il fallait se rappeler que 5y c'est en fait 5 fois y. Et 6y, c'est 6 fois y. En fait, on peut changer l'ordre
et mettre ce que j'ai mis ici. Donc ça fait 5, 6 fois 5, fois y, fois y. Je change tous les ordres. Et du coup, 6 fois 5, ça fait 30. Et y fois y, ça fait y au carré. Donc au final, on a 30y au carré. 5 fois y fois 6 fois y encore. Je change l'ordre. Ça ne sert à rien. Alors, désolé, mais... Ça ne sert à rien. Les pseudos comme ça sont ban direct. Un live. Alors, voilà. Du coup, je reprends. Non, 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 Raphaël, c'est juste que je sais pas si tu as vu les subs là, les derniers, mais ça m'énerve ce genre de pseudo. Donc j'ai signalé à Twitch. Alors, du coup, une fois que ça c'est fait, donc je reprends. Continue. Donc, x au carré plus x, pareil, ils ne sont pas dans la même catégorie. Donc, les x au carré ne peuvent pas se regrouper avec les x. Donc, la réponse était x au carré plus x. Alexia, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors ici, vous aviez du coup les premières expressions donc un peu plus complexes qui apparaissaient à partir de la question 6. Donc il y avait des x au carré, des x et des nombres. Ah, des x au carré, des x et des nombres. Ah, il fallait regrouper entre les x au carré avec les x au carré, les x avec les x, les nombres avec les nombres, etc. Et du coup, ça permettait de donner l'expression suivante. Donc 7 moins 4 pour les x au carré, ben 7 moins 4 ça faisait 3 x au carré. 8 moins 3 ben ça faisait 5 x. Et moins 3 moins 4 ça faisait moins 7. Donc c'est comme ça qu'on obtenait la bonne expression. 8. Pareil ici, les x au carré avec les x au carré, donc x au carré, ça fait 2x au carré, moins 5, ça en fait plus que moins 3, moins 3x au carré. Ensuite, pour les x, il y en avait 3 ici, il y en avait moins 2, donc 3 moins 2, 1, et 1 moins 15, moins 14 pour les x. 8 moins 1 plus 4, pardon, moins 1 plus 4, ça fait plus 3.
Voilà la bonne réponse. Alors, elle n'avait pas été comptée comme bonne, sans doute à cause des espaces encore. C'est pareil, j'ai fait le tri dans les bonnes et les mauvaises réponses. Et on arrivait ensuite, donc ça c'était pour la réduire. Or, tout ça c'était jusque-là, c'était réduire. Donc, regrouper les x au carré avec les x au carré, les x avec les x, les nombres avec les nombres. Maintenant, on s'intéresse à développer. Développer par rapport à votre cours, c'était ça. C'est 2 fois x, 2 fois 3. Distribue. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on trouvait 5x plus 10 et pas 5x plus 2. C'est-à-dire que le 5 qui est devant la parenthèse, il s'applique au 2. 5 fois x et 5 fois 2. Donc, 5 fois x, 5x. 5 fois 2, 10. 5x plus 10. Pareil ici. Ensuite, pareil, 3 fois 4y, y, mais il y a aussi 3 fois 9, 3 fois 3, donc 9, et plus par moins. Continue. Donc, moins 7 facteur de x moins 5, ça fait moins 7x, et ensuite 7 fois 5, 35. Mais moins par moins, plus moins 7x plus 35. Et non pas moins 7x moins 35 comme vous avez été nombreux à proposer. Continue. 5 fois y, 5y, plus 2, encore une fois. Il ne fallait pas détailler la réponse. Il y a marqué donner le résultat seulement. Alors ensuite. Première fois où il y avait des x devant. Là, on se retrouve avec 5x fois x. 5 fois x fois x. X fois x devient x au carré. Et donc 5x au carré. Et ensuite, 5 fois 2, 10. Et x fois rien du tout, x. Donc 5x au carré moins 10. Pareil ici, alors là il fallait respecter les priorités de calcul, c'est-à-dire qu'une grosse part des erreurs, hein, ici 18 réponses, venait du respect des priorités de calcul, c'est-à-dire que entre le 3 et la parenthèse ici, vous avez un signe fois. Donc c'est ici le développement qui est prioritaire, 3 fois y et 3 fois moins 10. Le 8 ne vient qu'à la fin. Donc 3 fois y, ça fera 3y, et 3 fois moins 10, ça fera moins 30. Moins 30 plus 8, moins 22. C'était bien ça qui était prioritaire, le plus 8 n'arrive qu'à la fin. Et on retrouvait la même chose ici, 7 fois y, 7y, 7 fois 4, 28, 28 et 11. Et on retrouve le même type d'erreur. Pareil, hein, vous m'arrêtez, mais pas trop vite. Et donc là, bah, on a la même chose, mais avec double priorité, donc une distributivité ici et une distributivité ici. Ensuite, on fait la somme des deux, et ça donne cette réponse-là et pas celle-ci. C'est-à-dire que le moins 2, en fait, ici, va être moins 2 fois x et moins 2 fois 7. Moins 2x plus 14. On va développer. Ah, et ensuite on passait à la partie factorisée. Alors sur cette dernière là, enfin sur cette dernière, c'est normal que tout le monde n'ait pas bon. Par contre, pour le reste, ça devrait être un peu mieux. Alors, du coup, factoriser. Donc là, le point commun c'était 5. En général, ça a très bien été vu, hein, 38 bonnes réponses. Donc 5 facteurs de quoi ? Bah on met le 5 en fluo, A moins B. Voilà ce qui reste dans les paramètres. Ensuite, ici, il fallait le décomposer, ce 18. Parce que le point commun, c'était 6. 6 fois x ici, et 6 fois 3a de l'autre côté. On mettait le 6 en fluo, et ça donnait 6 entre parenthèses x moins 3a. C'est pareil, ça a été bien réussi dans l'ensemble. Alors, là où ça a été plus dur, ça a été ça. Dans le point commun, c'est x. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est décomposer. C'est-à-dire que là, ça fait moins x fois x. Et ensuite, plus 3 fois x.
vous mettez à gauche un x en fluo, à droite un x en fluo, et du coup ça va donner x facteur de moins x plus 3. C'est-à-dire la cette réponse-là. Alors là, la difficulté venait du signe moins qui était ici. Donc vous pouvez dire que c'était 5 fois moins a au carré et 5 fois 2. Dans ce cas-là, ça donnait 5 facteurs de moins a au carré plus 2. Alors, le point commun était 5 ici. Le signe moins, il fallait le re-ranger avec le a. 5 fois moins a au carré. Encore une fois, on reverra ça quand on refera les exercices un peu plus en détail. Là, c'était juste un petit quiz pour voir un peu où vous en étiez. Et donc là, la difficulté, c'était le 7 qui se retrouvait tout seul. Et en gros, il fallait dire que 7, c'était en fait 7 fois 1. C'était la petite astuce qu'on avait vue en cours. Et dans ce cas-là, 7 fois 1, où il reste le fois 1. Bon. 7 fois a et 7 fois 1, ça fait 7 facteurs de a moins 1. Donc voilà pour les questions du coup. Donc ça, c'était pour le rappel. Les rappels. Maintenant, on va revoir donc un petit truc aussi, c'est la suppression de parenthèses. Vous allez avoir une activité et un exercice à faire là-dessus. Du coup, on va découvrir ça tranquillement. Donc quand vous avez un plus devant des parenthèses, donc si on a, et qu'on veut supprimer ces parenthèses, dans ce cas-là, le plus va conserver tous les signes qui sont à l'intérieur, donc ça ne va rien changer. Par exemple, si on avait à l'intérieur des parenthèses x plus 3y, à la fin ça reste x plus 3y, le x reste positif, le 3y aussi. Ici on avait 7 moins 2b, on garde 7 moins 2b. Plus ne change rien, le 7 reste positif, le moins 2b reste négatif. Pareil, même si on a un moins en premier, le moins t reste moins t, le 2s reste 2s, et le moins 4 reste 4. Et ensuite on regroupe. Donc le 2s plus 2s, ça fait 3s, et le moins t reste moins. Par contre, quand on a un signe moins devant des parenthèses, là, ça change tout. C'est-à-dire que le moins va changer tout ce qu'il va y avoir dans les parenthèses. Donc le b va devenir moins b, le c va devenir moins c. Le 2x ici, qui était positif dans la parenthèse, il devient moins 2x. Et le plus y devient moins y. Mais ça change les signes. Ça veut dire que si on avait un signe moins, le moins 4 devient plus 4. Et le x devient moins x. Alors donc, x devient moins x, 4 devient plus 4. Change tous les signes de la parenthèse. Pareil, si vous avez besoin d'une autre vidéo avec d'autres exemples, vous avez une vidéo dans le coin. Et du coup, vous allez avoir à faire, dans un premier temps, une petite activité pour illustrer un petit peu tout ça, avec des exemples avec des chiffres. C'est-à-dire que plutôt que d'étudier les x tout de suite, vous allez découvrir un petit peu tout ça avec des chiffres. Donc, vous allez appliquer les méthodes qui vous sont données là pour résoudre le problème. Donc, vous avez Guillaume qui a 11 euros, il achète une galette des rois à 7,50 euros et une baguette à 0,90. Combien est-ce qu'il lui reste ? On peut avoir deux méthodes, soit on fait des soustractions les unes après les autres, soit d'abord on additionne et ensuite on soustrait. Donc, vous allez suivre les deux méthodes et répondre aux questions qui vous sont données. Et ensuite, vous allez appliquer ça avec des x. Pareil, on veut calculer des calculs qui sont là, on va le calculer de plusieurs façons différentes et on va obtenir le même résultat. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Les plusieurs méthodes pour le faire, ça correspond à ce qui est dit dans le cours. C'est-à-dire que soit je fais 5 moins entre parenthèses 2x, y, soit je fais 5 moins 2x moins y. Marche pareil. En gros, l'activité, elle sert à découvrir ça. Les x vont fonctionner comme des nombres avec lesquels vous êtes un peu plus habitué. Et une fois que vous avez ça, un petit exercice d'application, l'exercice 1 de la feuille 1. Voilà ce que vous avez à faire aujourd'hui. J'ai pas vu de questions.
signifie que peut-être vous avez tout compris ou peut-être pas. Dans tous les cas, du coup, on corrige ça demain. Donc demain, 10h pour vous. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vous dis à demain. Demain, le live sera un petit peu plus court. Hein, on n'énumérera pas tout en détail. Je répondrai peut-être un petit peu plus aux questions s'il y en a. N'oubliez pas de vous les noter si jamais il y a besoin. Enfin, ouais. En tout cas, on fait un petit live demain et un live du coup jeudi. Et je vous dis à demain. Et pendant ce temps-là, moi je vais ban les pseudos qui ne respectent pas la charte. Confirme mon engagement. Lorsque l'application en cours de développement fonctionnera et avance à